grandes voix réunies pour rendre hommage à la chanteuse Renée Claude, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Cette touchante version du succès « Tu trouveras la paix », popularisée par Renée Claude en 1971, est l'initiative du producteur Nicolas Lemieux. L'annonce récente de sa maladie l'a bouleversée. Mon cœur a viré à l'envers. Il était 11 h du soir, lundi, le 2 semaines. Puis j'ai dit, faut que je le fasse. Faut que je fasse quelque chose. C'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. Renée Claude a marqué plus d'une génération avec ses nombreux succès. D'une grande beauté, elle incarne cette femme raffinée et libre. Ce soir, je fais l'amour avec toi. C'est une interprète magistrale qui fait tous ses textes, toutes ses musiques-là, elle les fait siennes. Instantanément. On dirait que c'est elle qui les a composés, c'est elle qui a écrit ces textes-là. Elle est incandescente. Pour rendre hommage à la chanteuse, on a choisi un chœur, des cordes et 11 interprètes vêtus et maquillés de noir, comme la chanteuse au sommet de sa gloire. Ce qui nous tenait ensemble, justement, toutes les chanteuses, c'est cette envie d'être là et de faire ça pour René. Voyez-vous, ça, c'était... Son amoureux des 30 dernières années est profondément ému par le geste. J'ai pleuré tout le long du clip, naturellement, parce que... Et que René, c'est le grand amour. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous aimez de ce vidéo-là? Bien, d'abord, il est fait très sobrement. Il est fait à l'image de René. Trouvera la paix dans ton cœur et pas ailleurs. Les paroles écrites par Stéphane Venn prennent aujourd'hui un tout autre sens. Puis ce texte-là, en le chantant, en pensant à elle, là où elle est, c'est fou le sens que ça prend. C'est sûr qu'elle est à un niveau avancé de maladie, mais elle est très sereine. Je pense qu'intérieurement, elle se sent bien. Elle sourit souvent, elle chantonne beaucoup. Les profits de la vente de la chanson iront à un fonds de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Ici Julie-Jasmine Boudreau, Radio-Canada, Montréal.